Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Jusqu'à présent, la famille de Ousmane Niolé n'a aucune nouvelle de Ousmane Niolé qui a été enlevé selon des témoins que deux motards sont venus sur chaque moto. Il y avait deux individus. Ils l'ont bloqué. Les deux passages, il était dans un couloir et il y a un pick-up noir qui est venu et ils l'ont embarqué, destination inconnue. Et là, Fallou Doumbouya, qui à chaque fois dédouane le CNRD, je crois que vous devez vous lever. Ousmane n'est pas un leader politique, Ousmane n'est pas un militaire. Voilà, donc on vous demande de faire la lumière sur le cas de Ousmane Niolé. Où est Ousmane Niolé actuellement? Personne ne sait, ni sa famille, ni ses sœurs. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de lui. Ses numéros ne passent pas, ses contacts, personne. Seulement les témoins qui ont vu l'enlèvement, les motards taxis, vous savez, les motos taxis sont un peu partout. Ils ont vu deux motos barrant les routes. Un pick-up est venu, ils ont embarqué Ousmane Niolé. Destination inconnue. Voilà. Depuis hier, on pensait que voilà, il est sorti, c'est autre chose. Sauf que lorsque sa sœur a commencé à parler, sa sœur est rentrée en contact avec des témoins oculaires qui ont vu comment ils ont enlevé Ousmane Niolé dans un couloir. Donc, franchement, le pays, ça fait pitié. La Guinée Baramagaro, la Guinée Moussiga Fekia Naray. Parce que tout simplement, il y a un fanfaron actuellement qui est à Zérékoré, qui est avec les fanfarons, les supporters du CNRD. Donc, ils ont voulu lui mettre dans les mouvements de soutien. Vu que Ousmane Niolé, c'est vrai que même nous, tout le monde disait que oui, il est devenu CNRD parce qu'il n'avait pas le choix, il était avec eux. Mais ils veulent que Ousmane Niolé s'affiche comme eux, ils le font, s'afficher quoi. Mais comme Ousmane Niolé, jusqu'à présent, il a du mal, avec tout ce qui s'est passé, dire que c'était lui le fils du président Alpha Condé, avec tout ce qu'il avait comme avantage, Ousmane Niolé, même s'il les soutient, il ne peut pas s'afficher comme certains veulent lui pousser à se mettre devant les manifs de soutien du CNRD. Partagez, likez la famille. Actuellement, le guignol Amara Kamara est du côté de Zérékoré. Écoutez. C'est-à-dire, en écoutant ce guignol de Amara, j'ai vraiment honte. Franchement, la Guinée a trop de talent. La Guinée a trop de talent. Nous avons des cadres, des bons cadres de technocrates dans ce pays-là. Mais dire que c'est des guignols comme ça qui représentent la Guinée, attendez, je vais vous montrer des images. Franchement, Namri Boyek. C'est décevant. Et vous avez vu les images de mobilisation. Voici les images. Zérékoré, les enfants qu'ils ont fait sortir aujourd'hui. Où est Mato? Dime. Les enfants. Obarato, les enfants. École fermée. On dit tournoi. Hein? Vous avez écouté le guignol Amara Kamara dit tout de suite là. Qu'au tournoi. De refondation, doté Mamadi Doumbouya. Mais franchement, ça fait pitié. Hein. On ferme les écoles, ils ont même fermé les marchés. Attendez, je vais vous montrer. Le gouverneur, il dit aux commerçants de fermer parce que
Amara Kamara, le guignol, qui n'est pas un élu du peuple. Attendez, je vais vous montrer les images. Mouta, nous, on ne va pas parler pour parler. Les marchés fermés. Hein. Ça dit, la Guinée m'a kini kini go. Inconscient étant, et m'a comprendre. Les inconscients, voilà. Vous voyez, les marchés fermés, vous pouvez aller sur Africa Guinée. Marché, commerce, tout était fermé à Zérékouré. Ordonné de fermer, regardez, les boutiques. Regardez, marché fermé. Un samedi, vous savez que les villageois viennent en ville faire le marché les week-ends à Zérékouré. On ordonne aux commerçants de fermer parce que le guignol Amara doit venir. On ferme les écoles, on ramasse les enfants moins de 15 ans, 13 ans, 12 ans, pour aller co-tromper les gens. Et tu entends dans le discours du guignol Amara Kamara que certains leaders ont peur de Mamadi Doumbouya. Mais pourquoi vous n'organisez pas des élections inclusives? Pourquoi vous ne donnez pas, vous ne laissez pas les autres? Toi, le fanfaron de Amara, tu as oublié ton discours ici? Interdisant tout mouvement de soutien, quelle que soit la nature. Hein? Si ce guignol-là vient se flanquer devant les gens, oh, voilà, les leaders-là, ils ont peur de Mamadi. Qui a peur de Mamadi? Organisez, laissez les autres partis politiques, laissez UFDG organiser des mouvements de soutien à Seloudale, laissez le RPG organiser des mouvements de soutien au président Alpha Condé, laissez l'UFR de Sidia organiser des mouvements pour Sidia. Vous allez voir qu'il n'y a personne pour vous. Donc, famille, restez tranquille. À partir du 31 décembre, le peu de légitimité des bandits putschistes, c'est là qu'ils vont sentir le peuple de Guinée. Là, je vous dis, les leaders seront dans leur propre droit d'appeler aussi à des manifs, à la désobéissance. Là, les leaders politiques, à partir du 31 décembre, ils sont dans leur plan. Un groupe de bandits, de vagabonds, de vauriens ne peut pas venir se flanquer devant nous pour dire qu'ils vont diriger ce pays-là. Regardez ces images. Ça dit, la Guinée qui n'est pas dans ta main. Ça dit, je vais faire une bonne chose. Je vais faire une bonne chose. Pour dire que c'est ce groupe de guignols. Ce sont ces guignols-là. Regardez-moi des guignols comme ça. Dire que c'est ces guignols-là. Des guignols pareils. Hein? Que ce sont ces guignols-là qui représentent la Guinée. Ils font des communiqués interdisant les mouvements de soutien au CNRD. Ils font leur communiqué. Pas de mouvement de soutien. Regardez le Gabon. Il y a eu le coup d'État au Gabon. Renversant le président Ali Bongo. Les Gabonais, ils finissent de mettre leur constitution, ils doivent aller au référendum les jours à venir. Une année, en moins d'une année. Pendant ce temps, les bandits du CNRD, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui, ils sont en campagne politique pour Mamadi Doumbouya. Au Gabon, eux, ils sont venus en moins d'une année, la constitution, voilà. Maintenant, eux, ils vont aux élections au Gabon. Pendant ce temps, les guignols. J'ai dit, il n'y a pas de sérieux. Hé, Dieu Mouma Sarama, tant que population Moukeli, Mouté Sadie Horé et Mouma Sarama. Tant que Mouté Sadie Horé et Mouma Sarama. Anna Erounine, la Guinée et Benara. Propriété privée Nara. Gouvernement Rakobri. Et t'en nom a utilisé des années Kenekianara. Et t'en nom a renommé. Dadi, c'est coup d'état à Barnebe. Et transition à Barnebe. C'est quoi qu'on a dit? L'administration guinéenne. Anna Kéanara Iki. Dieu bandier nous banna l'oronara. Faut refondation. Il faut une vraie refondation. Mri Fanyi.
Parce que Tokar n'est pas un directeur, il y a actuellement, secrétaire, il y a. Faut me rifaï nangafa. Et na Tokar et Birimbana. Après la transition, il faudra une vraie refondation pour dégager les déchets qui sont là aujourd'hui dans l'administration. Donc, Birimba préparé et en agé racinement. Na guignoli. Des guignols comme ça là, et rage racinement. Mais autant marade, sorry ne retire autant gambira. Autant, c'est-à-dire dire marade, ne rien à quoi sorry. Autant diema, na guignol modèle raffiné, autant à leader, des vauriens comme ça. Dire grand taré modèle, ne t'en a fini autant à leader. Franchement, la Guinée fait un kinikini narago. Kinikini nara. Et. Je vais dire à mes frères, ceux qui sont arrivés tout récemment là, il paraît que c'est chaud dans la ville, hein. Ceux qui n'ont pas de papier, faites beaucoup attention. Voilà. Et voilà, Folonia. Donc, ne réfère Nicaragua qui rama. Actuellement, Wanya Doi Doi Go. Voilà. Ne renfla campagne couille. Ominiki wa mato fil Philadelphie d'Arinama. Mon nouvelle n'a pas mère actuellement. Et mon aberifego. Donc, Kaora Mirena, Owe Bede, Owe Rassi. On m'a appelé Nereno Natakui et Naram Falarmbe, surtout Nerena Motonu Velo Fari. C'est pas facile, hein. Donc, Erara Badoy Doy. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. On se reprend demain. Kalati. Merci Fatma Taketa. Merci à Amadou Tony Doré. Voilà, Alexandre Pivi. Noah Keita, merci à vous. Merci Lelouma Tiangé Jules Suleiman. Abraham Kamara. Merci à Saïdou Tano. Donc, mon frère, vous savez, moi, ceux qui n'arrivent pas à voir Bilal Traoré, ceux qui n'arrivent pas à voir mes lives, ça n'a rien à voir avec moi. Ouma Kourouma, voilà, Passi Chérif, voilà, merci, Lamine Keïta, ça n'a rien à voir avec moi. Au fait, je vous ai dit, le CNRD, ils ont les moyens, c'est le pouvoir. Ils font venir des gens pour mettre des virus sur mes pages. N'utilisez vos soutiens, les likes et autres. Je ne pense pas que moi, mes pages seraient là aujourd'hui. Donc, si vous n'arrivez pas à regarder le live, après le live, vous regardez, c'est la même chose. Donc, merci, voilà. Et bientôt, vous allez regarder le live. Voilà, je vais synchroniser, vous allez regarder sur YouTube. Ceux qui n'arrivent plus à regarder sur Facebook peuvent regarder sur TikTok en même temps sur YouTube. Voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Parce que nous savons qu'à partir du mois de décembre, là, Allah, ça va chauffer. Donc, il faut se préparer conséquemment face aux tactiques du CNRD pour nous faire taire. Eux, ils pensent que nous, on est bêtes. Qu'on va rester là seulement, qu'on va pas changer la donne. Non. Déjà, je vous ai dit, abonnez-vous sur ma page TikTok. Je vais créer, voilà, mettre mon compte YouTube en place. Vous allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, si on nous dérange directement, vous pouvez aller sur YouTube. C'est la même chose, les gars. Donc, merci. Bonne soirée et à demain.